Bien, alors vous êtes ici tous les deux pour un spectacle musical qui s'appelle Les Enfants du Soleil de Didier Barbier-Olivien et Cyril Assous, mise en scène par Alexandre Arcadi. Alors le pitch, il est simple. Hein. Ah ouais. Ça, le pitch, on ne peut pas le rater. C'est trois familles, une famille chrétienne, une famille juive, une famille musulmane, Arki, qui sont obligées de quitter l'Algérie après l'indépendance en 1962. Et qui sont reliés en fait par l'abandon de leur pays. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est trois familles sur ce port d'Alger qui vont embarquer sur un bateau mythique, c'était le Kérouan. Ouais. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette aventure, c'est de voir comment ces trois familles, sur ce bateau, sur ce paquebot, entre le ciel et la mer, comment pendant cette traversée, en quittant leur pays avec la nostalgie, avec la rancœur, avec beaucoup de tristesse. Et puis, durant cette traversée, qu'est-ce qu'ils vont imaginer de l'autre côté en arrivant à Marseille? Qu'est-ce que ça va être leur vie, cette vie qui va arriver une journée après? Mais c'est le propre même de tous les immigrés, hein, que ce soit Cazan, on l'a fait dans... On a America, parlé avec America, il y a le Mayflower, Exodus. Enfin, voilà, et donc c'était très, très passionnant pour un metteur en scène de pouvoir mettre... sur scène et sur ce bateau comme ça pendant 2 heures à l'aide de chansons. Et c'était vraiment une très belle aventure. Voilà, Les Racines dans le ciel, extrait de Les Enfants du Soleil, donc à Lyon, 17 et 18 décembre, puis au Zénith de Paris, du 21 au 28 décembre. Alors, vous êtes au Zénith de Paris du 21 au 28 décembre, le 29, c'est Dieu donné, et après, c'est Jamel Debbouze, ça va. Le temps de reconstruire. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Vous regardez votre caméra tous les deux, et en même temps, vous dites, Magnéto Serge. Magnéto Serge.